Il est rendu midi et demi. J'étais encore en pyjama parce que à matin, on a déjeuné et tout, j'ai pris mon temps. Puis il y a le réparateur pour notre laveuse qui est venu. Fait que je vais éteindre le fan, que vous m'entendez bien. Fait que c'est ça, il est arrivé puis j'étais en pyjama. Fait que là, il est resté comme une heure et demie. Fait que j'ai pas eu le temps de me changer. Puis là, tout de suite, quand il est parti, ben, j'ai commencé à faire la balayeuse, j'ai lavé les salles de bain. Fait que c'est ça, là je m'en vais, il me reste la salle de bain du rez-de-chaussée à laver. Puis je vais aller m'habiller. Mais je vais m'habiller comme en sport parce que on s'en va faire de la raquette. De la raquette dans la forêt en arrière avec Oli, notre ami, puis Tom. Mais là, ils sont partis au travail choisir leurs vacances. Puis Tom est parti acheter des lumières de Noël pour notre maison à l'extérieur. On n'a pas posé encore parce qu'on n'avait pas de prise, mais là, on a des prises. Puis ouais, notre laveuse, là, je vais vous expliquer en gros, on a une laveuse Samsung. Puis les laveuses Samsung, là, ils ont toutes ou presque le même problème, c'est qu'ils lavent vraiment pas bien les vêtements, puis ils laissent des gros résidus blancs sur les vêtements. Puis c'est pas à cause que je mets trop de savon, parce que depuis qu'on l'a, c'est une 2015, c'est mes parents qui avaient acheté ça à leur nouvelle maison. Puis finalement, mon père me les a donné. Puis c'est ça, moi je l'ai eu en 2017 peut-être. Puis depuis qu'elle a été achetée, elle avait été lavée à tous les mois avec les pastilles. Puis les pastilles, ça coûte cher, là, on s'entend. Là. Moi, j'avais fait mon propre mélange maison que j'avais trouvé sur Internet. Fait que je la lavais comme ça à tous les mois, la cuve. Puis malgré ça, j'avais été chez... Ma grand-mère, elle a la même, puis elle a le même problème. Puis elle était chez Tanguy pour s'informer. Puis ils ont dit chez Tanguy, tu dois pas mettre plus qu'une cuillère à soupe de savon. Fait que là... moi, moins qu'une cuillère à soupe, c'est une cuillère à thé qu'on s'est mis à utiliser pour le savon. Fait qu'on mettait pas plus qu'une cuillère à thé de détergent, puis pas plus qu'une cuillère à thé d'assouplisseur. Puis malgré ça, là, j'ai pris des photos, là, ça laissait des gros spots là, dégueulasses là, de résidus blancs sur les vêtements. Puis aussi, elle faisait pas partir les taches, des petites taches simples qui normalement partiraient à la laveuse. Je mettais de l'oxyclean en plus, un petit peu d'oxyclean, puis je frottais les taches, puis tout ça, puis ça partait pas. Fait que, en tout cas, c'est un problème des laveuses Samsung. Puis là, le réparateur est venu aujourd'hui, puis il s'est rendu compte qu'en plus, elle avait un rappel dessus qui n'avait pas été fait. Fait que Samsung est obligé de soit effectuer le rappel, qui est de renforcer la cuve. Puis le réparateur, il m'a dit ça donne absolument rien. Là. Ils ne règlent pas le problème, ils font juste mettre un plasteur dessus. Parce qu'elle a des problèmes aussi que la cuve, tu sais, elle lave pendant plusieurs heures, puis la cuve est comme déstabilisée, puis elle bouge beaucoup, puis elle se rend compte que... En tout cas, c'est un problème de sensor, là, je sais plus trop. Là. Fait qu'il s'est rendu compte que le rappel avait pas été fait. Fait que là, j'ai encore plus de recours parce que j'avais déjà ouvert une plateforme avec la protection du consommateur, puis ils m'ont pas répondu encore, il y avait 10 jours. Là, ça fait peut-être 5 jours, fait que j'attends encore, mais c'est ça, j'avais demandé un règlement d'un litige. J'avais ouvert une plateforme, dans le fond, pour que moi, ce que je demandais, c'est qu'ils me donnent un crédit en magasin de la valeur de la laveuse sécheuse que j'ai acheté pour aller m'en chercher d'autres. Parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai acheté le kit, fait qu'évidemment, je veux le kit, là. Ça me tente pas qu'ils me changent juste la laveuse puis que j'ai la sécheuse dépareillée, tu sais, mais là, ça va être flore, je me batte pour ça, là. Puis, c'est ça, mais là, j'ai encore plus de recours dans le sens que Samsung n'auront pas le choix de changer ma laveuse. C'est soit ils changent la laveuse ou soit ils envoient quelqu'un pour la renforcer. Mais comme il me dit, réparateur, ça donne absolument rien, ça change pas ton problème. Puis en plus, les laveuses Samsung, il y a le problème que tu choisis ta température d'eau, mais même à ça, lui, des fois, il fait tiède, des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Fait que, dans le fond, ça sert à rien que tu choisisses, là, il choisit pour toi. Fait que c'est ça. Fait que là, ils n'auront pas le choix de m'en changer, mais ça va être comme un... Faut que j'appelle la protection du consommateur, justement, pour savoir... parce que ils vont m'offrir un prix ridicule, apparemment. Mais moi, j'ai le droit d'avoir... dans le fond, ça fait 3 ans qu'elle est achetée, 2015. C'est ça, fait que il y a un certain pourcentage de, mettons... Pourcentage de 2015, pourcentage de 2016, pourcentage de pour 3 ans dans le fond. Puis, eux autres vont devoir me donner le montant une fois les pourcentages enlevés pour 3 ans. Parce que, tu sais, ils considèrent que tu l'as utilisé pendant 3 ans, puis je comprends ça, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut que j'appelle là, fait que je m'en vais faire ça.
J'espère que ça va se régler vite parce que là, je suis vraiment tannée de ma laveuse, là. Vraiment, mais vraiment, là, ça, sérieux, ça a tellement niaisé. Puis, c'est ça. Fait que je m'en vais laver les salles de bain au rez-de-chaussée. M'en vais appeler là-bas. Puis, on va voir comment ça va se régler. Puis, je vais aller m'habiller pour aller faire de la raquette. Puis, ce soir, on reçoit nos amis à souper. Fait que je vais commencer après ça à préparer tranquillement les choses qui peuvent être préparées d'avance, là. Le souper, un petit peu. Fait que c'est ça, ma Zozo. Il y a tout le temps Zozo qui me fixe là. Hein, Zozo? Tout le temps à côté de moi à me fixer. Ouais. T'es belle. Puis il y a une autre affaire. Un matin, ben j'avais déjà appelé à l'école de musique ici pour savoir combien ça coûterait pour prendre des cours de piano. Puis il m'avait rappelé, puis j'avais pas répondu. Fait que là, en tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi à parler à la madame. Puis je suis estomaquée, là. Ça a pas de bon sens. Pour pas dire d'autre chose, ça coûte, si je prends pour vraiment une session, là, ça coûte 33$ par cours, il y a 18 cours, fait que ça coûte 594$, puis je pense qu'il y a des taxes à ça, j'y ai pas demandé, ben, elle me l'a pas dit, mais d'après moi c'est 594$ plus taxes. Puis sinon je peux les prendre en bloc, dans le fond je peux dire, ben moi je veux juste 5 cours, mettons, mais là au lieu de 33$ c'est plus cher, elle m'a pas dit le montant, j'ai oublié d'y demander, là j'étais tellement estomaquée par le prix, mais ça doit être, mettons, 45$ le cours, fait que mettons je pourrais dire, je prends 5 cours à 45$, puis hey, c'est cher là. Fait que là tu sais, j'ai mon piano, puis les cours ils coûtent plus cher que le piano, là ça a pas de sens là, mais en fait c'est un clavier que j'ai, mais c'est ça, fait que moi qui avait un objectif à court terme d'apprendre le piano. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire, là. Mais sérieux, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. 600$ pour 18 cours. Puis c'est 40 minutes le cours. Fait que c'est 33$ pour 40 minutes. Ils sont payés cher, là. Je comprends pas. C'est vraiment être payé cher, là, être prof de musique. En tout cas... Je suis bien découragée de ça là, parce que là ici il y a juste une école de musique, on s'entend. Ouais. Puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire et je vous tiendrai au courant. On est venu faire de la raquette, ouais! Mais Titi, ses raquettes sont chez ses parents, fait qu'il n'y a pas de raquette. On s'est vraiment pris tard là, on a eu plein d'inconvénients, fait que ça fait qu'on part quasiment déjà à noirceur. La lune est sortie. En tout cas, c'est pas grave, on va faire pareil un peu à noirceur là. Itati! Tu là, les bains trop chaudes pour faire du sport. Mais oui, je sais. Pourquoi t'as pas mis ta petite North Face? Ta petite North Face? Zoé, tu fais là, bébé. C'est sûr, j'aurais dû mettre ça. Regardez, gang, je capote! J'ai toujours rêvé d'avoir ça sur ma maison. Les petites lumières vertes et rouges. Puis en plus, Tommy a acheté aussi des flocons. Il savait même pas que je rêvais d'avoir ça, puis il est allé au Candy Center tantôt acheter des lumières de Noël, puis acheter ça. Je capote! C'est beau, Anti? Beau, hein? Je capote, c'est vraiment beau. Viens prendre une photo. Oh, ouais, mais... Gars, j'ai fait comme pour que les lumières rouges et vertes clignotent. Ça glisse avec mes bottes à cap, là. Gars, j'ai fait pour que les lumières rouges et vertes clignotent, là, tu sais, gars. Ils clignotent, là, tu sais. Ah, c'est beau, là. Ben, c'est ça qui a fait l'autre fois qu'on se parlait par ce... Oh, boy! Aïe, aïe, aïe. Oh! C'est plate que je filmais pas plus haut pour filmer des faces. T'es fatigué, chérie. Oh my god! Moi, je veux gratter le fond. Ben, je veux qu'on garde le fond pour le gratter. Moi, je trouve que je pense que nous, t'as pas remis. Il y en a encore un. Miam! Bon gang, nos amis viennent de partir. 11h15. Quand ça va se coucher, parce que demain, je me lève tôt quand même. Et qu'on va se voir demain.